Oh,
Lecture de l'Épître aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Tout grand prêtre, en effet, est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est lui aussi rempli de faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même, on est appelé par Dieu comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu, qui lui a dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Car il lui dit aussi dans un autre psaume « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. » Pendant les jours de sa vie dans la chair, il offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect.
bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel, car Dieu l'a proclamé grand prêtre de l'ordre de Melchisédek. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est ressuscité d'entre les morts
et il a ressuscité l'humanité gisant au fond du tombeau. Christus factus est homo. Oh,
Pour Joseph.
S'il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu pour le salut de tous. En effet, puisque le Créateur et Maître de tout voulait avoir une multitude de fils à conduire jusqu'à la gloire, il était normal qu'il mène à la perfection, par la souffrance, celui qui est à l'origine du salut de tous. Qui vive et est puissant.
bienfaiteur. L'accusé injustement condamné, le prisonnier frappé, humilié. Le juste que l'on mène à la mort, celui qui jusqu'au fond te fait confiance. Dieu qui est juste d'aimer par-dessus tout, multiplie en nous les dons de ta grâce. Dans la mort de ton Fils, tu nous fais espérer ce que nous croyons. Accorde-nous par sa résurrection d'atteindre ce que nous espérons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans le